Alors, les difficultés rencontrées par ces leaders religieux, les défis au niveau des différents pays, leurs faiblesses, eux-mêmes pour pouvoir mieux faire leur travail, ont été identifiés en bâton rompu. Les décisions ont permis de faire ressortir tous ces éléments sur lesquels ils vont aussi proposer des stratégies pouvant, qui seront consignées dans leur plan d'action, bien sûr, les permettant d'avoir un document qui les permette réellement de travailler dans tous les pays pour la promotion des questions de population, de santé et de santé de la famille.